Un invité musique dans le 64 minutes ce dimanche, le pianiste Alexandre Tarot. Bonjour. Bonjour. Alors cette année, le festival Pianoscope de Beauvais, c'est dans l'Oise, c'est environ 100 km de Paris, aura lieu de jeudi prochain à dimanche prochain, donc du 11 au 14 octobre. Et Pianoscope vous a donné carte blanche pour proposer le programme de cette 13e édition. Alors quel est le programme d'Alexandre Tarot cette année? Programme entre amis. Je m'en suis donné à cœur joie. Donc c'est un festival qui donne chaque année une carte blanche à un pianiste différent. Cette année, c'est moi. Alors j'ai pris les gens que j'aimais. Je pense au pianiste Frédéric Vesknitter. Il y aura par exemple une lecture de mon livre, Montrez-moi vos mains. Voilà, un concert lecture. Oui. C'est quoi un concert lecture? J'ai écrit un livre l'année dernière. Ouais. Et donc c'est deux... Montrez-moi vos mains. D'accord. Et c'est donc deux acteurs, deux géants d'ailleurs, l'un québécois, Daniel Brière, l'autre suisse, Gilles Privat, qui vont dire ce texte. D'accord. Puis vous invitez beaucoup de jeunes artistes aussi. Des jeunes, des moins jeunes, un peu de tout. Il y a le Quatuor Harod, merveilleux Quatuor à cordes. Alors, il y a aussi un truc qui m'a étonné, c'est le Dodo Tarot. C'est quoi le Dodo Tarot? Ça, c'est une formule que je programme de temps en temps. Tout le monde se met sur scène. C'est une sorte d'after, si vous voulez, après le concert du samedi soir. Ouais. Donc c'est vers minuit, tout le monde est sur scène avec un petit oreiller dans le noir et puis je joue des pièces assez nocturnes comme ça. C'est une sorte de nuit courte qui durera trois quarts d'heure, mais où on écoutera la musique dans l'apaisement, j'espère, le plus total. Et alors vous faites aussi de la photo, il y a une expo photo? Oui. Ouais. C'est des photos de quoi? Quand on se fait plaisir, des photos que je prends depuis assez longtemps pendant mes voyages. D'ailleurs sur votre site, il y a énormément de photos. C'est ça. C'est un site très original, d'ailleurs en fait on rentre dans le site par des photos. Oui. C'est des photos qui guident en fait. Certaines personnes pensent que ce n'est pas un site de pianiste, mais plutôt un site d'artiste, de photographe ou de dessinateur. Donc je rappelle, c'est du 11 au 14 octobre à Beauvais. Et puis vous sortez aussi un nouveau CD chez Erato avec trois sonates de Beethoven, les trois dernières d'ailleurs. On va d'abord écouter un petit extrait, je crois que c'est l'opus 109. Ces trois sonates sont les dernières que Beethoven a composées. Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ces sonates? Alors d'abord, mais il faut que je fasse court, mais il a voulu prouver beaucoup de choses, parce qu'après la Mirklavier, qui était une grande sonate, très très grande, mais finalement d'une facture assez classique, là il a voulu montrer qu'il était encore moderne. Et donc ce sont trois sonates qui sont relativement courtes, mais dans lesquelles il y a énormément de musique en peu de temps. Qu'il va mourir quand il les écrit déjà? Non, mais il est quand même assez atteint puisqu'il est sourd. On arrive dans la dernière partie de sa vie où il n'entend quasiment plus rien. Donc c'est aussi une sorte de, comment dire, de challenge vertigineux pour un interprète de s'attaquer à une œuvre dont on sait que le compositeur l'a entendue totalement différemment. De l'intérieur. De l'intérieur. Ouais. Vous avez une discographie assez impressionnante. Vous faites du piano seul, de la musique de chambre, des concertos. Vous jouez beaucoup, beaucoup de styles de musique aussi différents. Quel est votre ou vos compositeurs préférés, ceux que vous aimez le mieux, le plus jouer? En dehors de Beethoven? Ouais. Bach, je dirais Bach. Ouais. Alors, vous aimez aussi Barbara? Oui, j'aime Barbara. Vous lui avez toujours consacré beaucoup de compositeurs et auteurs. Vous lui avez consacré un double album dernièrement, l'année dernière, je pense. Et puis, vous aimez aussi le cinéma? Vous vous rappelez que vous avez joué? Oui, mais ça, c'est vraiment... je ne suis pas du tout acteur. Là, vous aviez joué dans le film Amour de Haneke. Oui, il y a cinq ans. Encore un mot, d'ailleurs, sur Beethoven, là, parce que je vous ai un peu coupé trop vite. Le dernier opus, le 111, c'est un opus sur la mort ou sur l'au-delà? Oui, moi, oui. Ouais. Je pense que Beethoven, sans le savoir, nous parle de l'au-delà. Enfin, j'ai toujours l'impression, en jouant ces trois sonates, et c'est pas mal de les jouer ensemble, d'ailleurs, parce que... De l'opus 109 à l'opus 110, on rentre encore un peu plus dans la mort, ou en tout cas un autre monde. Et j'ai toujours l'impression que dans l'opus 111, on y est véritablement. Difficile de parler de la mort en 20 secondes. Mais en tout cas, je renvoie à ce CD, donc avec les trois dernières sonates de Beethoven que vous venez de sortir chez Erato. Merci beaucoup, Alexandre Tarot. C'était très vite, mais voilà. Merci d'être venu en tout cas en parler dans 64 minutes.